une mauvaise map pour eux là. Mais une assez bonne génération, parce qu'il y a déjà. Enfin, parce qu'il y a des palettes en face de moi. Donc on va voir ce que ça donne. Il y en a un au niveau du bateau du coup. Ici je sais pas si je vais pouvoir le poser. Ah! Ah si! C'est frame, c'est précis hein, par contre. Hein. C'est assez précis. Je peux en avoir un côté ponton. C'est là où une Discord nous aide pas mal. Là en face de moi, Go Jenga Jim là. Je sais pas pourquoi il s'est mis à marcher en fait, je comprends pas. C'est parfait. Le David a l'air d'être loin, je prends le risque de la pique. Ok, let's go. Je vais pouvoir générer un tour et jeu, je vais l'activer sur John à côté de moi. Je remets un portail, je pense. Hésiter qu'il allait quand même me voyer d'âge qu'ils allaient coller sa patte. Oh le spring burst qui va lui sauver la vie hein, clairement. Par contre elle a fait un petit demi-tour, j'ai pas compris pourquoi. Je comprends pas pourquoi elle fait ça là. Ouais, bah elle m'a donné le nice, parfait, c'est parfait ça. Là elle avait une fenêtre goldée. En fait une fois que vous prenez cette fenêtre faut partir à droite et prendre la hauteur au niveau du ponton. C'est dommage ça. Casser Jenna et puis on va mettre de la pression là-bas. Ils ont fait le gêne au niveau du petit bateau. C'est moi qui ai dû faire fuir les corbeaux là. Ok, faut activer les portails de nouveau. J'ai pas mis un portail dans le coin de map là. Là où il y a le gêné, c'est un peu. Ok, il est en oblivious là le mec sur le portail, il y a peut-être moyen. Ok, il a arrêté de le dépop, c'est parfait. Continue, on va le forcer à claquer la palette. Parfait, c'est parfait. On va le pick instant. Ok, on peut peut-être défendre le Jonathan là. J'ai peut-être accroché à côté de moi là. On a vu Nancy qui est partie à gauche. C'est la clodette là qui était encore en face de moi. Ah non, c'était Doug. Parfait, c'est parfait. La Nancy est pas loin, hein. Va falloir vérifier. Ah, ok, j'ai tenté le pic. Yop, no sous 9.
Je vais en profiter pour activer le portail à gauche là. Il n'y a personne sur le portail. Ok, on utilise tous les jeux là. Est-ce que le pouvoir du tueur de Stranger Things, tu peux te TP à des portails et tu peux t'as un dash. Ok. On va continuer tout droit. Ah, il est resté là. Ah, dommage. Je perds du temps. Il y a qui joue derrière le gène, il va peut-être faire genre se cacher. Non, il est en face là. Là, ils ont repris de l'avance là. Ok, Nancy en oblivious, on l'entend. Oh, l'instant, je l'avais dit, hein. Je l'avais call. C'est dommage. C'est dommage. La vie des blessés, c'est peut-être là où on peut faire la différence du coup. Ah, dommage là, d'avoir une personne, là, c'est vraiment dommage. Bah, deuxième instant heal, hein, let's go. Après, il est peut-être heal avec 99%, mais ça m'étonnerait là. Yael doit être en face, faut lui mettre un hit. Genre on n'a pas vu le Dwight. Dommage, ça c'est dommage. On pique le David, du coup faut vite qu'on défende le gène. Là c'était cool d'avoir l'Ancien dans les parages, on l'a forcé à baisser la palette. Comme ça là on pouvait piquer tranquille le David. Le doigt est derrière la patte. Let's go. C'est pas Fox. Ok. Ok. Allô le. C'est un portail, parfois c'est ultra hardcore, ouais, j'ai pas le temps. Dommage. Pire timing. On peut le mettre à terre lui peut-être. Ouais, j'ai l'impression que mon dash parfois va plus ou moins loin, je comprends pas trop pourquoi. Là la game est morte malheureusement. Je vais toi à Fox, comment vas-tu? Alors faudrait des grosses erreurs de leur part là, c'est possible mais... Toi je suis ce gène. Y'a ta mère en baisse. Est-ce que ça fait... Là, je peux juste gagner de la distance sur un survivant, c'est rentable? Non parce que t'as un stun après le dash quand t'as l'eau. Donc c'est pas rentable. Non. La game est assez compliquée là. Ok, j'ai très peu de temps. C'est le moment où il faut comeback là, peut-être moins. Ok,
Qu'est-ce que j'ai? Faut que je redéfonce les gènes, j'ai pas le choix. J'ai trop de temps là. Ok, y'a pas celle-là. Le genou est à 0. Ok. Ils sont 3 là-bas. Let's go. J'ai pas le temps de placer un TP et TP, enfin vaut mieux que j'y aille à pied quoi, c'est plus rentable. Let's go. Je vois personne mais... J'ai lancé la chasse, il a fait quelqu'un. Il peut être là ça. Ouais il est en face de moi, on va le forcer à baisser la palette. Et après on ira sur Jen. Y'a personne sur l'autre gen, de l'autre côté. Vite qui est blessé, fait le tour. Et dard, GG. Là c'était vraiment le cut improbable. Hein. Yop, Mianki. Eh bah écoute, pose-toi, y'a... Ok, faut que j'y aille à pied, je pourrais utiliser le tour et jouer. Il est blessé, c'est le moment où il faut faire un kill là. C'est parfait. Parfait, let's go. Je crois qu'il y a un cavant en face donc on va pouvoir économiser un... Non, my bad, je comprends. Je vais l'accrocher là du coup. Que j'y aille. Allez dis-moi, mais c'est bon. Ils peuvent le cut le TP hein. Là je vois personne. On va quand même mettre un portail là-bas. Oh ouais, y'a bien quelqu'un sur le gène. Il est blessé lui non? Il est blessé, ok. C'est le moment de faire un deuxième kill. Let's go. L'attraper juste en face. Ok. Là on est pas mal là. Là on peut comeback là. Le gars était juste en face. Ah bad boy. Ok c'est pas grave, go je safe. Faut pas se prendre la tête. Je vais utiliser le tour et jouer là. Je vais mettre un portail à côté. Il faut que je mette un portail là-bas pour avoir l'info sur le gen. Ok. Du coup, elle s'il la clade, c'est pas très grave. Je vais activer les deux portails, comme ça j'aurai l'info sur les trois gens. Ok, on a l'info sur la clade. C'est parfait ça. Je vais faire un tout droit. Ah, l'escalier de mort. On peut être bloqué. Il a pas pris la fenêtre. Ok. Bah, par contre, j'ai fait de la merde. Hein. Il prend pas la fenêtre? Mais. Je sais pas pourquoi il a pas pris la fenêtre la première fois. Ok. En fait, à chaque fois, je pensais qu'il allait prendre la fenêtre. C'est pour ça que je mettais le coup. Ok. Faut qu'on aille directement sur la trappe là. Hein. On aura deux portails pour les portes. Il y a des traces en face de moi là. Il y avait des traces au fond là en face de moi.
Ok, donc on va déjà activer le portail là, pour avoir l'info sur la porte. Comme ça, dès qu'il y a un retour ou quoi. Parce que pour moi, elle est en face là-bas. Hein. Et oui, elle est en face là. Bien sûr qu'elle est en face, c'est juste derrière le bateau là. C'est rien qu'on bouge là. Tu as déjà eu le bug du démon gros qui peut passer à travers la fenêtre? J'ai jamais eu ce bug. Je vais peut-être pouvoir accrocher. Ouais, je vais pouvoir accrocher. Yop, Kazo. Bon, voilà, on a fait une bonne game là. Il y avait au moins un instantil en face. C'était. Au début, c'était pas mal. Puis au milieu, après, c'était de la merde. Puis après, voilà. Comment t'as fait pour la voir? Parce qu'il y avait des traces au début, comme je l'ai dit, donc je savais qu'elle était dans les parages. Et après, je l'ai vue au loin, derrière le bateau. Il y avait un instantil. Le mec est tilt, logique. Je vais lui mettre à Siou et puis voilà. Non, j'ai rien à dire. Je sais même pas pourquoi je parle en vrai.